Allez, on continue la découverte et la rencontre des exposants de ce salon des seniors ici à Tarbes. Je suis en compagnie de Sonia, puisque nous sommes sur le stand de la Maison Fontan. Alors, la première question, Sonia, que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous proposez? On a 2-3 indices, voilà. Voilà, des choses pas très gaies. On est dans le domaine funéraire. Donc nous, la Maison Fontan date de 1871. On a les trois activités, donc les fleurs, la marbrerie et ainsi que le service des pompes funèbres. Voilà. D'accord, donc effectivement, vous l'avez dit, c'est pas la chose la plus joyeuse, mais ça fait partie de la vie. Et comme on est au Salon des Seniors, c'est aussi bien de prévoir. Donc voilà, je voulais qu'on parle un peu prévoyance, justement, pour savoir ce que vous proposez par rapport à ça. Voilà, nous, on travaille donc avec l'Office français de prévoyance obsèques et on propose des contrats obsèques dans le but de soulager les familles, parce que souvent, la demande qu'on a, c'est justement, les familles viennent nous voir pour prévoir pour que les enfants, les petits-enfants, voilà, l'ensemble de la famille ne soit pas embêté et on va dire que la lourde tâche de prévoir les obsèques des parents leur retombe dessus. Donc c'est souvent dans ce but-là pour essayer de tout prévoir et d'éviter d'embêter la famille. Alors Sonia, c'est la première fois que vous participez au Salon des Seniors ? Oui, tout à fait, c'est la première année. Qu'est-ce qui vous a amené à participer ici avec la Maison Fontan et quel est le premier bilan qu'on peut tirer de ce salon ? Mais bon, comme je l'ai dit déjà, on est une vieille maison donc de Tarbes et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on va dire avec la mondialisation, les grosses enseignes qui se montent, qui pullulent un petit peu partout, on essaye aussi de lutter pour montrer qu'on est une maison familiale qui fabrique tout en France, on est un des derniers fabricants de la région, on n'importe pas et on fabrique dans nos ateliers, donc on essaye de lutter un peu contre ces grosses enseignes. En fait, voilà, c'est un peu ça pour montrer que y a encore des artisans et des gens qui savent faire le métier ici en France. Voilà. Et au niveau des contacts, à l'issue de ces 4 jours, ça fonctionne bien, les gens sont réceptifs. Comment vous analysez un petit peu ? Alors, bon, on fait un petit peu peur, j'avoue. Donc on essaye de dédramatiser par l'humour. Mais après, comme je le dis souvent aux gens qui, quand ils nous voient, font un peu la grimace, on n'est pas là pour effrayer, pour se projeter dans la mort. On est là pour essayer justement d'apaiser toutes les angoisses autour de la mort et essayer d'être dans la prévention plus que vraiment dans l'immédiateté. On a eu quand même, du coup, en abordant les gens comme ça, de bons retours. Et puis, on explique et ça dédramatise un peu les choses. Voilà. Et puis pour égayer et dédramatiser, je crois qu'il y a la partie fleurs aussi qui apporte un peu... Oui, c'est mon collègue qui se cache là-bas d'ailleurs, qui réalise, parce qu'on ne fait pas que le deuil évidemment, on fait aussi mariage, tous les événements. Et donc on a préparé aussi tout un tas de compositions, de fleurs pour égayer un peu le stand. Voilà, donc vous avez actuellement quelques petites images de ces compositions. Mais Sonia, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et puis bonne fin de salon. Mais merci vous aussi. La tournée des stands et puis des personnalités de la foire de Tarbes ici cette semaine et j'ai beaucoup de chance puisque je me retrouve avec Geneviève de Fontenay que vous aurez tous reconnu, inutile de la présenter, qui est arrivée aujourd'hui sur le salon. Alors est-ce que le voyage est bien passé déjà Geneviève ? Je suis arrivée hier soir après 7h30 de TGV, mais comme on est bien installé, c'est pas un problème pour moi, l'essentiel c'est d'arriver. C'est ça. Alors qu'est-ce que vous venez faire à la foire de Tarbes ? Qu'est-ce que vous allez proposer ? De toute façon, moi, je réponds à une invitation. On m'a demandé de venir. L'essentiel, c'est de faire une séance de dédicace photo avec le public.
et puis de mettre comme ça, de voir un peu les stands, voir tout ça, quoi. C'est ce qui est le, ce qui est le but d'une foire exposition, c'est justement de, d'exposer les produits du terroir et tout ça qui fait la richesse de la France, la vitrine de la France. Et qui vous tient à cœur, on le sait. Oui, parce qu'on est en train de tout démolir, là, avec ces grandes régions qui vont étouffer, justement, les plus beaux villages de France, comme faisait Stéphane Bern et tout ça. Parce qu'au lieu de tout fermer, il n'y a plus de bureau de tabac, il n'y a plus de police, il n'y a plus rien. On ferait bien, au contraire, de développer ces visages pour le tourisme. Puisque c'est un, les étrangers, c'est ce qui leur plaît, c'est de venir voir des choses qui n'y a nulle part ailleurs. Alors, on parle justement de terroir, de, du local qui vous tient à cœur. Je l'ai dit, vous étiez déjà venu à Tarbes, vous connaissez la région ? Ah oui, oui, vous savez, à mon âge, je connais toute la France. Hein. Je suis venu à l'époque à Cap-Verne, à Bagnères-Bigorre, Pont-Romeu, on faisait tous les casinos à l'époque. Et on avait fait une élection à Tarbes il y a quelques années. Mais je crois que c'est une ville qui n'est pas spécialement promise, quoi. Il n'y a pas d'élection tellement... Ah oui. Bah, pas, vous devez savoir ici, mais pourtant il y a des beaux spécimens, je comprends pas. Ben oui, mais apparemment il n'y a pas d'organisateur ou les gens sont peut-être pas motivés. Mais enfin voilà, ben finalement j'ai pas besoin d'une élection de Miss pour venir aujourd'hui à Tarbes. Voilà la preuve. Ben, on vous remercie, je vais pas vous embêter plus longtemps. On vous souhaite un bon salon et merci d'être venu nous voir à Tarbes. Ben, c'est moi qui vous remercie de l'attention que vous me prêtez. Et pour moi, c'est une belle journée. En plus, elle est ensoleillée. Et puis de toute façon, elle est ensoleillée dans nos cœurs. Voilà. Merci. Au revoir. Et vous le savez, on se retrouve sur le Salon des Seigneurs de la ville de Tarbes, qui se tient jusqu'à dimanche. Et alors là, je suis sur le stand de Laurent à votre service. C'est comme ça, c'est la dénomination. Et ça tombe bien, puisque qui se retrouve à mes côtés ? Laurent. Donc Laurent, bonjour. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer votre présence aujourd'hui ? Et puis ce que vous proposez, puisque c'est une nouvelle entreprise locale, c'est important de le préciser. Alors, j'ai créé cette entreprise il y a quelques mois et j'ai décidé de faire trois secteurs, donc Tarbes, Pau et Lourdes. Donc, mon but, c'est de créer six services, dont le premier, c'est de l'accompagnement de déplacements véhiculés, donc des services, bien sûr, à la personne. Et en deuxième, je fais tout ce qui est courses pour les gens. Je leur fais leurs courses, je leur livre et je leur range à leur convenance. Donc, le but, c'est aussi de leur faire faire des économies. Et mon troisième service, c'est tout ce qui est partie occupation de l'habitation. C'est-à-dire que les personnes qui veulent partir en toute tranquillité pendant leurs vacances, je m'occupe de leur maison et de leurs animaux. Et pour terminer mes deux derniers services, je fais tout ce qui est livraison express de médicaments, de tout ce qui est colis, avec un scooter 125 avec un top case de 55 litres. Et j'ai un service pour le spécial Noël. Donc, au mois de décembre, tous les gens qui ont la famille qui arrive, beaucoup d'amis, des repas à préparer, mais moi, je m'occupe tout à fait de leurs jouets et cadeaux. Ils me donnent leur liste. Moi, je fais empaqueter les cadeaux et les jouets et je fais un peu le Père Noël. Je leur livre à leur domicile. Et tout ça à des tarifs intéressants. Alors ça, moi, ça m'intéresse, surtout la partie des cadeaux de Noël. Est-ce qu'il y a une limite d'âge, vous proposez pour les seniors, puisque c'est le salon des seniors ici à Tarbes, ou c'est open bar pour tout le monde ? Absolument, c'est open bar pour tout le monde. Ça peut s'adresser aux personnes qui ont des problèmes de déplacement, qui ont leur véhicule en panne. Ça peut s'adresser aux personnes qui en ont marre de faire leurs courses. Ça peut s'adresser aux gens de tous les âges qui ont une maison ou un appartement et qui sont embêtés parce que voilà, les animaux sont là et moi je m'occupe de leurs animaux. Ça s'adresse à vraiment toutes sortes de gens de on va dire de 18 à 98 ans. Alors, comment vous est venu, vous, cette idée de créer ce service ? Alors, ça m'est venu parce que j'ai toujours aimé et passionné par les courses. Donc, c'est ma passion et j'adore ça. Et donc, j'ai voulu me mettre vraiment au service des gens pour leur faire découvrir ce plaisir que moi, je vais prendre à leur place
pour faire les courses dans les magasins et surtout en plus utiliser un baromètre MaxiDrive pour leur faire faire des économies. Mais surtout, le principal, si j'ai créé cette entreprise, c'est pour le plaisir de leur rendre service. Et c'est vraiment, bien sûr, le plus important parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont des besoins qui deviennent de plus en plus importants puisque la population est quand même plus ou moins vieillissante. Alors, c'est la raison pour laquelle on se retrouve justement au Salon des Seniors où le public pourra vous retrouver, Laurent, jusqu'à dimanche. Si vous voulez avoir des renseignements sur tout ce que nous a dit Laurent et connaître les tarifs, n'hésitez pas à taper www.laurentvotreservice.fr. Ça s'affiche en bas de votre écran et vous aurez toutes les infos dont vous aurez besoin. Merci beaucoup, Laurent, pour votre accueil et bonne foire. Merci beaucoup.